probablement qu'inconsciemment, je pense que j'ai une bonne étoile. J'étais dans l'inconnu scientifique total concernant le record. Ce que risquait Pascal s'il remontait trop vite, c'est qu'il se mette à bouillir. Hein. Que l'homme puisse se dépasser, faire des records, moi je trouve ça magnifique. Au-delà de 250, 260, qu'est-ce qui va se passer? Le matin même, je me suis aperçu que ça m'avait excité pendant des années, mais quand même, ça m'a terrifié. Quoi.